C'est un des mois qui offre la plus grande variété de légumes, puisque tous les légumes sont sur le marché. Donc là, pareil, il ne faut pas hésiter sur les ratatouilles, enfin voilà, tout ce qu'on peut appeler cuisine provençale, c'est le moment d'y aller. Au niveau des poissons, il y a les soles qui. C'est vraiment une jolie période de sole. Là, pareil, je veux dire, c'est un poisson un petit peu cher, évidemment. Mais si vous voulez donner à votre enfant le goût du poisson, je pense que c'est, je dirais par excellence, un super produit. Il n'y a pas d'arête, il y a juste une grosse arête centrale, donc les enfants ne sont pas embêtés par les arêtes. Ça a vraiment un goût d'une grande finesse. Et commencer par une sole pour un enfant, c'est bien. Après, il y a effectivement tout ce qui est viande à griller des barbecues. Donc, du cochon jusqu'au bœuf. Sur des bonnes qualités de viande, on n'a besoin de rien. Trois herbes, un peu de gros sel. Après, on peut s'amuser à faire des marinades pour apprêter le poulet d'une manière différente. Le cochon, l'agneau, le canard. Enfin, je veux dire, c'est infini comme créativité. Moi, j'adore le barbecue. J'adore que les gens soient autour. Je veux dire, globalement, chacun se fait cuire son propre morceau de viande. Et c'est plutôt convivial, sympathique, un petit coup de rosé, discret. À côté, dans un soir avec plein de glace, et tout va bien, la vie est assez belle. Et puis après, c'est le début des fruits, style abricot, style pêche. Là, on commence la saison. Et sur les abricots, moi j'aime beaucoup ce fruit-là parce que il y a une grande fraîcheur dans l'abricot. Je veux dire, c'est un produit, et je trouve qu'il y a un excellent équilibre sur le sucre et sur l'acidité. Et pareil, donc cru, cuit, voilà, ça permet aussi, mille une variation autour de l'abricot, de faire un abricot au barbecue, vous prenez une feuille d'aluminium, un peu de miel, une branche de thym, 4-5 abricots comme ça, juste découpés, vous fermez tout ça, vous posez ça sur le barbecue 5-7 minutes, et voilà, il n'y a besoin de rien de plus. La, la.